monde, c'est Freddy Nio, c'est votre pour une nouvelle vidéo sur UFC 3 avec Citania et Saphira aujourd'hui. Donc voilà, avec un gage particulier. Le perdant, il va se manger la crème chantilly sous cette belle assiette mignon, écrasée sur la tête, tac tac. Et donc voilà, j'espère que ça va être une bonne vidéo. On va commencer tout de suite par le premier combat, ça sera Bobby face à Saphira. Et ensuite j'attaquerai le gagnant. Non, le perdant. Le perdant, excusez-moi pour ce fail. Et du coup, on se retrouve directement pour la première manche, directement. A tout de suite, les gars. Et voilà, du coup, on se retrouve sur le jeu. Alors maintenant, on va faire un match féminin, apparemment, parce que madame veut ça. Donc allez, on est parti. Bon, en espérant que je vais gagner, parce que madame, elle va se ramasser. C'est toi qui vas te manger. Ouais, non, c'est toi qui vas te prendre la belle chantilly. De la bonne chantilly. Avec tes belles assiettes. Avec les petites assiettes, les mignons. J'espère que tu vas kiffer. Bon, en espérant. Allez, c'est parti, il faut que je me concentre un petit peu quand même. Ça va être corsé, je pense. Mode chaos, c'est parti pour la violence. Vous expliquez les règles. Faites juste ce qu'il faut pour mettre votre adversaire KO. Ça va envoyer du lourd. Allez, on est parti. Et un bon kick qui claque. C'est dans le vent. Bon, je suis encore débutant, moi, personnellement, pour ma part. Elle est déjà en rouge, ta perso. Un gros coup de coude, ça touche à la tête. C'est quoi ces en papier? C'est un de KO, quoi. Un overhand qui touche. Ouh, ce low kick a dû faire mal. C'est raté, de peu. Allez. Coup de coude en plein dans le mille. Allez, on est à égalité pour l'instant. Faut se concentrer, faut mettre des pêches, faut mettre des pêches. Oula, oh, ça va laisser une marque, ça. Joli overhead. Allez, une bonne droite. Oh, terrible. Elle est partie pour en finir. Allez, plus que deux barres. On se concentre. Quelle puissante frappe au corps. Ouh. Déferlante de frappe. C'est qualité pour l'instant. Elle lui met en pleine tête. Gros coup au fond. Oui, c'est moi qui mange la crème. Ça y est, c'est terminé. Bobby qui va ramasser de la crème. Allez, première défaite pour moi, du coup. Hein, félicitations. C'était tendu, mais très, très, très serré. Allez, on va recommencer un deuxième round. Comme ça, on fait deux rounds, hein, c'est mieux, je trouve. Allez, on va faire une petite vengeance, peut-être pour essayer de récupérer une petite victoire. C'est dommage, ça passe à côté. Très bien esquivé. Waouh, dans la tête. Waouh, elle m'a mis, hein. Allez, viens, la sœur. La droite, ça touche. Super. Allez, hop, on enchaîne. Allez, on peut le faire. C'est manqué. Elle se prend une petite droite. Coup du droit. Elle lui fait presque sauter la tête avec ce coup de pied. Allez, elle va être KO peut-être. Peut-être une victoire pour moi là, ça sera cool. Elle enchaîne. Allez, plus qu'un coup. Et ça passe à côté. Waouh, quelle puissance et quelle souplesse. Allez, on peut le faire. Oula, elle est touchée. C'est bon, elle est KO. 1-1 pour moi. Bon, bah, du coup, vu que c'est 1-1, bah, on va continuer du coup. C'est la belle, hein. Savoir qui va manger le. Ouais, qui va manger la petite crème. Je sais pas en combien de manches j'ai fait, je crois 4, je crois. Donc, troisième manche. Allez, c'est parti. Là, c'est définitif, là. Le point définitif. Oh, terrible low kick. Allez, égalité pour moi et elle. Touché par le droit. Je lui mets une petite droite. Superbe. De droite, ça commence bien pour moi pour l'instant. J'aimerais bien faire un parfait, mais ce sera compliqué. Et ça passe à côté. Ça ne touche rien du tout. Oh, droit au corps, quel coup de pied. Quel combat. Allez, je suis bien parti pour l'instant. C'est à côté. Elle y va à fond, elle veut en finir. Oh, oh, en pleine tête. Putain, c'est... Il est toujours sous la cette overhand. Allez, plus qu'une droite, plus qu'une droite.
Et hop là, victoire pour moi du coup. J'ai eu peur, j'ai cru que j'allais perdre. Hein. Bon bah malheureusement, c'est madame qui a perdu. C'est elle qui va se prendre la première bouchée de crème chantilly. Alors du coup, on va se retrouver tout de suite avec Bobby pour le second match. Donc moi je suis sauvé, hein, heureusement. Donc ça va être entre Bobby et Coralie du coup, enfin Safira. Donc on se retrouve tout de suite pour la suite du match. Voilà les gars, donc on se retrouve tout de suite pour le deuxième combat. C'est le combat, c'est Fred contre Coralie, Fredino contre Safira. C'est la finale. Donc voilà, j'ai pris Conor McGregor, elle a pris Abel Trujillo. Et donc c'est parti pour ce combat. Ça sera à trois manches comme précédemment avec Bobby. Et Coralie qui a déjà une tarte crème chantilly à prendre. On verra s'il y aura une deuxième ou pas. Peut-être que ça sera ta soirée. Allez, c'est parti pour ce combat, les gars. Let's go. McGregor à droite et Trujillo à gauche. Allez, c'est parti pour le mode KO. Ici, mode KO, simple, évidemment. Vous devez l'emporter en mettant votre adversaire KO par tous les moyens. J'espère Allez, que vous n'avez pas parti. McGregor qui attaque direct. Il lui fait presque sauter la tête avec ce coup de pied. Ça passe. Voilà, là, c'est 2-1, là. On va combattre assez équilibré jusqu'à présent. Et McGregor qui commence à attaquer. Il enchaîne. Et j'ai fait du dégât là, je pense. Son overhand passe tout seul. Oh là 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 là, je prends cher. Attention. Elle se réveille la Coco là. Elle se réveille. Elle prend les devants. C'est dangereux tout ça. On dirait bien qu'il va. Et là, j'ai prendre la. Tout de suite. Waouh, quelle puissance et quelle souplesse. Il me reste une barre là. Oh non, elle m'a niqué. Il restait une barre, les gars. Donc ça fait 1-0. 1-0 pour Coco. Et donc c'est le premier arrivé à 3. Allez, c'est parti pour cette deuxième manche. Deuxième manche, les gars. C'est parti. On va changer de stratégie là parce que ça a pas marché la stratégie que j'avais essayé. Du coup, on va bourriner. Hein. Quel coup de pied. On se calme, hein. C'est dommage. Pas esquivé, hein. Bien joué. Oh, gros coup de coude. C'est dans le vent. Il l'a touché. Ils donnent tout ce qu'ils ont. Ah là 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 là, elle revient. Et un bon low kick qui claque. Oh là là. Oh là 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 là, mais je vais me faire niquer là. Les personnes, ils ont peur. Vas-y, viens, quoi tu recules. Oh, quel coup de coude. Les coups pleuvent. Oh, en pleine tête. Il lui met un gros uppercut. Égalité. Allez, il reste une barre pour chacun. Qui va remporter la victoire? Et ça passe à côté. C'est à côté. Allez, qui va remporter la belle victoire? Qui va se manger la crème chantilly? Si c'est Coco, c'est Fred qui se la prend d'office. Oui, oh, oui, 1-1. C'était chaud, c'était chaud. Allez, la finale du coup, qui va la remporter? Pff, ah, je stresse, Bob, je stresse. Ah, je stresse de mort, moi aussi, j'en ai marre, hein, j'en ai déjà une. Allez, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires qui vous pensez gagner. Voilà, mettez un petit pronostic, les gars, dans les commentaires. McGregor face à Trujillo, c'est un combat partout jusqu'à présent. Tête. Et là, c'est équilibré, toujours à 2-2. Allez, viens. Allez. Quelle puissante frappe au corps. Ouh. Là, c'est toujours égalité. Non. Oh, un puissant gauche. Elle avance. Waouh, superbe enchaînement. C'est un vrai combat de rue. Ah, là, c'est chaud, là. Allez, 3 barres, 2 barres. Voilà, puissant coup. 2 barres, 2 barres, égalité. Oh, bel enchaînement. Une barre. Place un low kick. Ah, il lui met en pleine tête. Allez, une barre. C'est la dernière barre. Qui va gagner? Qui va se prendre la crème? Ah, c'est chaud là, je stresse. Son coup de pied passe à côté. Waouh, quel low kick. Ce coup de pied va aller. Oui, oh, oui, Coralie qui se prend.
Victoire de Fredinho, donc deux tartes à la crème pour Coralie. Ça va être chaud, les amis. Voilà, on se retrouve tout de suite pour l'acte que tout le monde attend. C'est la tarte à la crème chantilly dans le visage. A tout de suite, les gars. Et voilà, du coup, on se retrouve avec nos petites assiettes pleines de chantilly, hein, un petit peu plus présentées. Elle est magnifique, elle est bien grosse. Donc, Safira, tu es prête? Ouais, pas le choix. Donc, qui commence, Bob? C'est toi. C'est à gagner quoi le combat? Donc, vas-y, maintenant en premier, quoi. Ensuite, j'espère que tu vas déguster cette belle chantilly. Ferme juste les yeux parce que j'ai pas envie que tu te coupes les yeux. Ferme les yeux. Ah, tu veux, hein? Et ça, voilà, c'est la deuxième et c'est la vengeance pour le citron. On se rappelle la dernière vidéo. La vengeance citronnée. Attention, Coco, sois prête. Et voilà, ce défi est magnifique. Oh, j'ai tout vilain, les amis. Les bâtards. J'en ai plein sur moi. J'espère que c'est bon. Il y en a plein partout ou pas? On dirait de la peinture, Bob. Moi je dis, ça mérite un pouce bleu, un like. Suivez-nous pour d'autres vidéos.